Salut à tous, bien le bonjour, bon Noël et joyeux fêtes à vous. Troisième épisode de Kingdom Crowns, Two Crowns, Kingdom Two Crowns, Kingdom Crowns, Kingdom Two Crowns, Kingdom Crowns. Le jeu indé qu'on aime tant. Donc, on a donc expandu comme il fallait notre magnifique camp. Là, on est arrivé donc avec notre nouvelle bâtisse qui était en train de passer lorsqu'on s'est quitté. Et donc là, voilà, belle et magnifique. On a gagné ce petit PNJ qui nous fait des espèces de prêts. Il donne de l'argent et au bout d'un moment, il nous en rend avec des intérêts. Là, on a encore un petit fermier. Pourquoi tu es là, fermier? Que veux-tu? Que cherches-tu? Qui es-tu? Ferme ta gueule, fermier. Ferme ta gueule, je t'entends bien. Donc là on est bon, il nous faudrait peut-être un peu d'archer en plus parce que toi t'es en train de te toucher la nuit, je le sens. Voilà. Toi tu cours, je te vois. Alors on va se rajouter un peu de ça, mon doute. Es-tu un ami de la thune? Oui, tape sur un. Donc là on est bon. De là on est bon. Oh, c'est le beau blason, c'est le beau blason, c'est le beau blason. C'est bien le lac. Hop. On est reparti. On est reparti. Pourquoi vous touchez des couilles, hein? Ah, voilà pourquoi. Ça prend. Ils sont encore en train de tartiner. Donc là, il nous faut de la pierre. Je pense qu'on va devoir commencer gentiment à préparer le bateau pour préparer le bateau pour comme ça arriver sur la deuxième île. Parce que là on commence un peu à arriver aux limites de notre contrée. Wop purée, on n'avait pas vu ça comme ça. Donne tout le cheval, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout. C'est pas rattrapé, c'est pas rattrapé, on garde le doigt sur une touche. Viens le doigt sur la touche, avance, avance, avance. Ouais. Là, oh, le peloton d'exécution. Oh, c'est beau. On a peut-être un peu trop d'archer. Il nous faut l'âge de pierre, enfin des pierres ou l'âge de pierre, je sais pas ce que c'est. On va avancer, on va avancer, on va commencer à faire notre bataille. Mon dieu que c'est long comme camp. Bonjour. Jour 12. Est-ce qu'on s'expand? C'est vrai que là on aurait du coup une... Ouais, comme ça une truc, ouais. Ah, je crois qu'on est pas obligé, hein. De mémoire, le bateau, on peut le faire même sans truc, même sans avoir d'être arrivé exactement au bateau, quoi. Deux oiseaux qui bougent, je crois, parfait. Non, on peut pas. On est obligé de s'expandre jusque là. Ah non, vous êtes en train de rêver, attends pour moi. Pardon. Ah, vous savez, attends, en tant que grand monarque qui gère comme ça le pognon, je ne vois pas les mêmes choses que vous. Petit manant qui marchait, moi je suis sur un cheval. Je t'éclaire de ma lumière. Là, non?
Bravo! Bon, l'heure, bah, t'aurais pas venir plus tôt? Termine ça et on se casse les gens. Parfait. Quoi, vous n'êtes pas enclin à rentrer? Ouais, vraiment de l'argent, hein. Ces deux pièces, c'est fou. Voilà, on est bien d'accord, vous êtes enclin à rentrer. Je vais vous protéger quand même, on sait jamais. Bon, on a le temps, mais bon. Hein? Tu cours aussi vite que je marche, mon gars. Pose-toi les bonnes questions. Tenez! Tenez! Vous deviendrez archer. Ou fermier, visiblement. T'as de l'argent pour moi? Non? Bah tiens. Alors visiblement vous avez déjà forché les gars, ouais, parfait. On est bien. T'as de l'argent pour moi? Merci mon gars, bientôt. Bah si toi t'en as, de toute façon les autres labos en ont aussi. Jour 13. Oh oui, mais maintenant partout. Oh, ça soigne dans mes fesses. Il y en a partout, je suis mis des billets dans le... On en était où? C'est bon, faut qu'on aille comme ça, continuer à... On va expandre vite fait à gauche, là. Puis on va terminer le bateau. On est pas loin de la spawn, non? Donc là, on a une pierre. Là, on a encore. Ça, c'est la nouvelle, ça. Ça, j'arrive. Donc là, on est devant la porte. Ah! C'est pas de l'herbe, c'est pour moi. J'entends le bruit dégueulasse du camp des méchants. Oh non, des vilains! Mais on est deux jours! Protège-moi, archer. Un vilain a voulu m'oxyre. Oh, j'aimerais bien m'avancer encore un peu ici. J'aime pas ma tête de pont à droite là. Enfin, à gauche, c'est un peu plus loin là. J'aime bien avoir une pierre comme ça, plus des archers en bas. Même si ça marche nickel, on est d'accord, hein, là y'a pas de soucis. Juste que. Je suis encore. Oh, j'ai trop d'argent, ça crache. Même si voilà, ça descend très très bien là. Je serais jamais quand même avoir mon petit arche au-dessus. Qui, comme ça, il a plus, beaucoup plus de chances de toucher. Et surtout, il est indestructible. Ça, ça n'a pas de problème.
Allez-y! T'as toujours pas amélioré depuis le début. Bon allez les gars, on termine ça. Allez les gars, allez allez, on monte dans le bateau. Et petit bâtisseur. Vers l'infini et même plus bas. Jour 14. Donc là, on va comme ça donc se diriger vers notre deuxième île. Là, comme ça, recommencer le processus et nous débloquer des nouvelles fonctionnalités à nouveau. Des nouvelles gens qui vont venir. Oui, continuez. C'est gagné, vous l'avez joué. C'est par là? C'est par là. Voilà, donc on retrouve notre camp merdique, les deux technos, donc on fait pas comme dans le tuto, on pense bien faire des murs aussi. Il nous en manque une. Ah, bien joué. Voilà. Donc on arrive comme ça dans notre deuxième île. Et donc on aura de nouvelles fonctionnalités, donc comme je disais, on va voir donc les joyaux maintenant qui vont apparaître. On va pouvoir du coup améliorer les différents bâtiments qui se trouvent sur la route à gauche à droite. On va donc comme ça, donc commencer par explorer à nouveau le côté gauche de la droite. Ça s'est amélioré, parfait. T'as des trucs toi déjà? Non, t'as pas, hein. On a une ferme, ouais mais ça m'intéresse pas, c'est à droite. À droite, c'est la vie, c'est les villageois. Ouh, pareil, on a un camp qui est très rapide, parfait. Ça c'est encore une fois un bon qui nous sort bien, la merde. Un coffre qui est pas comme l'autre, du coup, je vais le marquer. Tatatun, tatin. Moi aussi je suis content. Et donc on a nos trois premiers joyaux qui vont servir comme ça à améliorer les différents bâtiments comme ça. Voilà, voilà. Donc on peut soit les garder et revenir sur notre première île quand on a construit le bateau. Enfin, je crois que quand on a construit le bateau, on peut revenir à la première île ou on va directement à la troisième. Ça, je sais pas encore, donc voilà, je spécule. Hop. Une cascade qui nous montre un joyau. Okay. Un autre coffre avec un joyau, parfait. Et le TP des familles. Ok. Donc à droite c'est village, une cascade bizarre qu'on ne connaît pas. C'est la nuit. C'est pas ça. Je suis allé les païens. Tout pareil. Mange un peu pour être safe. Oh purée, ouais, on va être safe de ouf là. Cours, Jasmine, cours! Cours pour ta vie! Cours pour tes couilles! Donc là, on est au deuxième camp, la statuette. Là, on va arriver au camp du marchand.
Et derrière, le premier village qui va nous servir de réservoir à villageois. Ah non, il n'y en a pas? Oh, pas bien. T'as de l'argent pour moi? Bâtard. Et donc, on peut pas payer ça, mais d'accord. Boum! Shoot! Vous avez pas de l'argent? Non plus. Ouais. Mon. Allez. C'est la fin du jour, allez, on le sait que c'est la fin du jour, allez. Jour, hi. Mani. Je suis pas un chien, je t'ordonne. Donc là, on a notre battle qui est là, ok. Un calibou, là. Et la première ferme qui est ici. Ah, un coffre de l'argent, parfait. Après, les joyaux prennent énormément de place à mon goût. Qu'est-ce que c'est? De fuck, c'est quoi ça? Ouais. Hey, mon ami! Tu me suis? Non? Si? Non? Vas-y, c'est ta vie. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Tu te bats de l'or, tu veux quoi? Ah, maintenant tu me suis, ok. C'est pour moi. Non! Joyau, ça va, il est posé sur le sol, parfait. Et là, du coup, on a le truc des gens. Non, on a encore un truc avec de l'or, ok. Ça m'arrange pas, on va se cacher. Tu vois, on a un peu de pain. C'est pareil. Ah. C'est la nuit. Ouah, c'est le... Ouah, mais j'ai vu, c'est un massacre. C'est vrai que maintenant, du coup, tu me suis, toi. Hey, mon ami. Tu aimes manger des pétettes, mon ami? Pourquoi tu gueules? T'as vu quoi, toi? Ah, il va nous saouler. Alarme! T'as posé comme ça, il est là. Voilà, parfait, les gars.
j'ai peur de laisser les joyaux ici, quoi. J'ai peur qu'ils disparaissent. Déjà, je trouve que cet arbre-là, il est limite. Je sais pas s'il va planter ou pas. Après, c'est vrai qu'on est derrière, on a mis un truc. C'est quoi ça? T'as une archère. Voilà, ça c'est quoi ça? Il y avait un deuxième camp ici, on est arrivé directement chez le Jackie. Je crois que non, hein. Ah, on avait le fer bizarre, ouais. On avait le fer bizarre LTP. On a fait notre truc, voilà, on a fait notre truc. Toi, t'as pas de l'argent? À gauche. On a lancé notre deux ponts? Ouais, c'est déjà la nuit là. Hein. Oh, c'est la belle ferme. Il y a un rocher derrière? Ouh, en plus, il y a un rocher. On va pouvoir avancer pas mal, mais ouais, il y aura un rocher. Aussi. Ah, c'est pas très passionnant comme début, mais bon. Et quand on va commencer à découvrir ce que nous permettent de faire les joyaux, bon, on risque d'avoir des belles choses. Hey, mon ami! À droite, on a une cascade avec un cerf dessus là. Je sais pas ce que c'est. Et à gauche, on a une espèce de grosse stalagmite. Une espèce de monolithe. Un dolmen. Non, un dolmen s'est couché. C'est un menhir. Une espèce de menhir, du coup, qui apparemment, je ne sais pas quoi. On va essayer de tester ça. Moi, gentiment aussi comme ça se préparer notre suite là, notre ferme. Il est second. Pourquoi je manque dans un buisson? Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, tu veux fuir derrière un arbre ou quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Ah, t'as trouvé... Oh, il a trouvé des pièces 7. Oh, il est mignon. Ou alors, c'est juste qu'il va pas me la donner. Je sais pas. Viens, mon ami. Putain, ton boulot n'est pas fini.
Si on peut pas. Merci, il faut attendre que le reste soit dégradé. Allez. Donc là on a l'arbre de notre poteau. Du coup maintenant on a des pierres de tous les côtés mais on a pas de trucs. Eh mais c'est le monde à l'envers quoi. Putain quand le jeu a décidé de te troller il le fait pas à moitié quoi. Putain avant on avait pas une seule pierre, on avait que des trucs, des clôtures. Là maintenant on a plus de clôtures, on a que des pierres quoi. Faut arrêter au bout d'un moment hein. Jeu de merde. Putain. Ouais bah, on va faire comme ça un peu de disséminage de merde hein, qu'est-ce que je dis. Donc là, c'est bon, on a pu faire ça. Donc là, on va pouvoir bientôt fabriquer ce petit rocher des familles quand l'herbe va pouvoir dégager. Allez, dégage. Allez. Allez, on dégage l'herbe. Allez. Brûle, herbe de merde. Ah, du coup, yes, il y a une petite clôture qui a pop. Parfait. Mais plus rien. Là, j'avoue qu'on a une configuration à cet endroit-là. Petits oignons. Hein. Du coup, on va avoir un petit archer qui va être là. Il va être posé comme il faut. Va derrière. Ok. Vite, 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 vite. Non! Oh là là, ils vont les striker, mais en chaîne. Ouh, pardon. Ah. Vous pouvez pas venir deux secondes plus tôt? On me salopard. Oh, non, on a trop d'argent sur nous. Ah là 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 là. Putain, pour un coup de marteau, quoi. Franchement, pour un coup de marteau. On a 5 marteaux. Hey mon ami, claque-moi donc ça dans le string là encore une fois là. Je suis ta chienne. Là on est bon. Ça si on le casse on perd le marchand donc pas bien. La ferme, ok, la ferme. Jour 5. Ah ça fait une belle vidéo là je pense hein. On va se quitter là. Toujours plein de bonnes choses. Toujours plein de bisous. Voilà. Amusez-vous bien. Et fêtez bien. Puis ne prenez pas la bagnole quand vous pourrez. Plein de bonnes choses, les amis. Salut.